ce bruit de fleuve que j'entends avec beaucoup de plaisir. Disons qu'il me rappelle le fait que, voilà, je suis utile peut-être à quelque chose. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais vérifier le niveau du plan d'eau tout de suite ici, parce que nous sommes en période de fin d'hivernage où la gestion est un peu plus délicate. L'échelle là qui est là, donc qui permet de lire le niveau en amont, qui est de 2,12 m ce matin. 2,12 m, donc, qui permet de satisfaire les besoins des usagers. Avant l'avènement du barrage, l'eau était rare. Il arrivait que le fleuve tarisse complètement et qu'on le traverse à gué. Ça arrivait. Et même des voitures pouvaient passer, traverser le fleuve. L'eau salée qui remontait dans le fleuve était là pendant 8 mois sur 12. Et personne n'avait accès à l'eau douce pendant 8 mois sur 12. Et même l'alimentation en eau des populations était problématique. Quand j'entends cette eau-là couler, parfois même j'ai l'impression que je ne l'entends pas tellement je me suis familier à ça. C'est quand on me rappelle que voilà, on a ouvert les vannes comme ça que je me dis, ah tiens, il y a de l'eau qui coule là. Sinon tellement je me suis habitué à ce bruit vraiment qui me rend heureux, quoi. Le fait de gérer un ouvrage comme ça qui met à disposition des ressources de survie même, je dirais, c'est une ressource de survie. Avant l'avènement du barrage, il y avait peut-être 10 000 hectares qui étaient aménagés ici. Et aujourd'hui, on est autour de 100 000 hectares qui sont aménagés. Et surtout qu'on fait plusieurs campagnes par an, alors qu'il n'en existait qu'une seule. Maintenant, comme l'eau douce est disponible 12 mois sur 12, donc on peut faire jusqu'à 3 campagnes agricoles par an. Ça va du maïs jusqu'à la tomate, en passant par les haricots, les melons, les courges, le riz et même des arachides. De l'oignon, tout ça se fait ici. Et ça permettait, à mon avis, de fixer un peu les populations, de donner de l'activité à la population, à la jeunesse. C'est une invasion
assez brutal, je dirais, assez massif de ces plantes-là. Quand vous modifiez la nature, elle réagit. Donc quand le barrage, on le construisait, tout ça, on le savait. C'est quelque chose maintenant qui est là, il va falloir vivre avec. Il va falloir aussi de l'autre côté voir est-ce qu'on ne peut pas valoriser cette plante-là. Déjà, avec même l'artisanat ici, on peut utiliser cette plante pour faire des nattes, pour faire du charbon de chauffe et même faire de l'énergie, utiliser le tifa pour produire de l'électricité. On ne peut pas dire que l'homme n'a aucun intérêt parce qu'on est en train de faire des recherches poussées sur ça pour voir un peu comment rendre positif les choses.